On est vraiment obligé de s'y coller? Ça dépend. Tu veux être pris pour cible? Y'a que la défense qui est capable de débourser 60 millions pour engager une putain de babysitter. Bon, ben, toi l'honneur, ma biche. Kozak, code de vérification. Alpha 2, 9, Yankee 7. Ghost Leader, code de vérification. Whisky, Bravo 4, unité Foxtrot. Pepper, code de vérification, unité 6, Hôtel, Mike 3. Je veux essayer. Hé, hey, tas de ferraille! Reine d'Angleterre! Oh! Oh! Wow, 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 wow. Code de vérification, Charlie unité, 2 unités, novembre! Fais chier. J'ai regretté d'avoir dit Reine. T'as gagné un nouveau surnom. Katia Prugova, un ex-agent du KGB parfaitement introduit dans le milieu. Il nous faudra un certain temps pour identifier ses commanditaires. Et je crains déjà le pire. La Russie, la pire destination possible. Mais c'est en Russie que la piste aboutit. On n'a pas le choix. D'après Prugova, ses complices se servent d'une station météo désaffectée proche de la frontière norvégienne comme zone de transit. Tout ce qu'on sait, c'est que la station est divisée en deux sections distinctes. À vous d'identifier la nature des opérations. Menez l'enquête et vaporisez le complexe. Allez. Pour faire court, Warhound est une plateforme d'artillerie mobile autopropulsée. Assez robuste pour servir de couverture et assez puissante pour enfoncer la plupart des positions ennemies. Faites gaffe, on n'est pas encore sûr à 100%. Le temps est à chier, mais au moins, vous pourrez faire autant de rafus que vous voulez. À votre place, je prendrai une mitrailleuse légère, et pour la fine bouche, un BDRC, bien plus rapide à dégainer. Restez proche du Warhound. Il vaut mieux éviter de se séparer ici. Ouais, parle pour toi. Je te parie $20 qu'à un moment ou à un autre, tu te cacheras derrière ce truc. Eh ben si je t'ai canardé, c'est tant mieux. Comme ça, j'aurai pas à le faire moi-même. Je déplace le Warhound. La visibilité est quasi nulle. C'est un avantage pour nous. Passage en vue magnétique. Faites gaffe, ennemi à droite. C'est un soldat. Mobile.
Rechargement. Deux autres en visuel. C'était pas si terrible. Sans doute qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on les repère. Ça risque d'être plus facile que prévu. T'avais besoin de dire ça? Il suffit de le dire pour que ça foire. Camouflage. La tempête se lève. Soyez sur vos gardes. Le Warren avance. Je me camoufle. Mobile. Contact, une réplique d'assaut. Devant nous. Visuel, on dirait un parc de matériel et ils ont un char. Ok, activez le mortier. On va régler le problème tout de suite. Bien sûr. Trois ennemis de plus sur zone. Trois devant nous. Le Warren attaque. C'est parti! C'est mon bon dieu! Dites-moi, ça avait de la gueule! Là, se demander à quoi on sert. Contact! Mobile.
Relais de com en visuel. Détruisez-le! Être amphibie ? Ça rime à quoi alors ? Je crois qu'ils sont chauds ! Ils se déplacent ! Thank you.
Warp, Hunter. La base est nettoyée. On continue. Bien reçu, Hunter. Camouflage activé. Évite de nager. Si on te laisse conduire, t'arrêteras de nous saouler. Peut-être. Montez à bord. Ça bouge pas mal. Ouais, et encore, c'était la base avancée. Messieurs, on arrive en territoire inconnu. La partie qui échappe au relevé satellite. J'aurais cru que ce genre d'activité aurait attiré l'attention de quelqu'un depuis le temps. Bon, on a tous nos petits secrets. Imagine la tête que feraient les Russes s'ils allaient faire un tour à Doucet. C'est pas faux. N'empêche, j'espère qu'on va pas dans un endroit de ce genre. Comme tu dis. Mieux vaut s'attendre au pire, et laisser le Warhound ouvrir la marche. Plutôt lui que nous. Il est pratique, ce petit gars. Petit, c'est pas toi le mot. Ok, messieurs, faites vos lacets, on arrive chez Nagant. Ok. Notre priorité est de faire une image système de leur centrale. Ensuite, on rase le complexe. Compris. Allez, au travail. Ça va pas l'air franchement amical. Ils vont boucler la base. Vaut mieux pas traîner.
Sécurité. Kozak, tu t'occupes des données. Ça marche. Aussi. Overlord, ici Hunter. On a un terminal prêt à transmettre. Vous êtes prêts? Reçu, Hunter. Transmettez. J'envoie. Vous avez localisé la cache? L'image acoustique renvoie une zone d'ombre. Trop grande pour un entrepôt. Peut-être une caverne. On va voir ça. C'est un peu loin de votre position. Montez. On va vous orienter. Bien sûr, Overlord. L'ascenseur? Au moins, c'est pas des marches. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Médor? Oh, vous allez le vexer, Votre Altesse. Allez, un peu de sérieux, les gars. On sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et puis les Anglais nous en font, leur vie inédite est tabassée. Ouais, c'est ça. Ha ha ha.
Je me camoufle. Allez, on se concentre. Thank you.
Le Warhound envoie la sauce. J'ai abattu. Derrière la fenêtre. Défendez le plan droit avec la surface. Défendez le plan droit. À 9h. Tu vois le genre, quoi. Et ouais. Donc le type balance un tir de suppression à la bonne purée, il les arrose histoire de les fixer. Et pile à ce moment-là, t'as un hélico qui apparaît. C'est le sniper qui les fixe? Non, c'est l'autre, c'est le Pecnon. Donc le sniper repère l'hélico rapidement. Le gars, il prend son temps pour viser, tu vois, il reste super calme. Il tire un coup et BOUM Il abat le pilote. Non, tu me fais sérieux? Je déconne pas, mec. D'un seul coup, en plein dans la tronche du type. C'est...
C'est la grande classe. Et c'est pas fini, hein. L'hélico se met à piquer du nez et blam, il se crache sur les positions ennemies et il explose. Dans mon souvenir, tu l'as bien abattu d'un coup, mais c'était au lance-roquettes. Ouais. Alors, tu leur dis ce qui s'est passé? Non, je préfère leur version. Personne ne s'attendait à une découverte pareille. Une telle orgie d'équipements militaires n'aurait jamais dû nous échapper. Et c'est bien ça le plus inquiétant. La NSA, la CIA et la DIA ont mis toutes leurs données en commun pour élucider cette affaire. Prugova fait partie de Raven's Rock, une faction rebelle qui sévit en Russie. Nos analystes sont à pied d'œuvre, mais les implications sont profondes. D'après Langley, Raven's Rock transfère un système balistique à un groupe d'extrémistes. Je vous le dis, cette opération est une mauvaise idée. Je le sais, vous le savez, mais nous devons malgré tout la mener à bien. Vous devrez opérer sans filet en plein territoire russe. L'opération est risquée, mais le risque serait encore plus grand si cet équipement nous filait entre les doigts. Messieurs, nous avons tout intérêt à ne pas nous rater.